Encore bonjour à tout le monde. Voilà, je suis content Bonjour. qu'on continue encore notre zoom de patrimoine et on ne va pas arrêter. Voilà, on va continuer la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on a une journée très spéciale, comme chaque jour. Ouais, c'est vrai, je dis ça chaque fois. Mais aujourd'hui, on est à Mackenheim. Mais Anne-Sophie est physiquement à Mackenheim. Voilà, qu'on a fait à Trenheim avec Charles. Et voilà, alors Anne-Sophie, il y a un an, et tu as donné la conférence à la synagogue sur la communauté de Mackenheim. Il y a un an, non? Oui, un petit peu plus. Écoute, Sarah n'était pas encore née, mais oui, ça devait être en mars 2019. D'accord, voilà. C'était un moment très spécial parce qu'il y avait en fait... ta famille, les habitants, comment on dit, les Mackenois, comment les on dit? Mackenheimois, Les attention. Mackenheimois, voilà. Et c'était très important pour montrer les passés et les historiques aussi de la communauté juive et locale. Voilà, alors on peut commencer. Tu veux faire un partage d'écran? Oui, je vais faire un partage d'écran, donc je me permets de prendre la main sur Zoom. Voilà, donc bonjour tout le monde. Excuse-moi, Voilà. Juste avant, comme toujours, et on va couper les micros. Voilà, et on garde le temps à la fin pour discussion. Merci. Oui, s'il vous plaît, si vous pouvez tous couper votre micro parce que sinon on va avoir des problèmes d'écho en fait. Voilà, merci beaucoup. Ouais, du coup, merci Yoav et donc bonjour à tous. J'allais dire, moi je suis en direct de Mackenheim, je prendrai bien la webcam pour vous montrer le jardin et la verdure. Donc, comme Yoav l'a bien précisé, en fait, la conférence, enfin l'intervention que je vais faire aujourd'hui reprend en grande partie une conférence que j'avais présentée l'an dernier au mois de mars. Donc, à ceux qui ont déjà vu cette conférence, j'allais dire, ne gâchez pas le plaisir aux autres, gardez le suspense. Il n'y a pas eu grand-chose de neuf depuis, mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous représenter cette intervention. Donc, je vais vous projeter un PowerPoint. Je vais m'assurer que vous le voyez tous. Ok, est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? Oui, voilà, faites-moi un petit signe. Super, merci beaucoup. Voilà. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui dans notre émission du jour, donc sur la communauté de Mackenheim, ça va déjà être de faire rapidement un petit historique de l'histoire du judaïsme dans le Bas-Rhin, histoire de bien comprendre en fait l'histoire de la communauté de Mackenheim, parce que toutes les communautés rurales ont leur histoire qui est vraiment liée à l'histoire de la communauté de Strasbourg. Donc, dans un premier temps, un petit point sur le judaïsme dans le Bas-Rhin. Je vous propose ensuite un historique de la communauté de Mackenheim. Et pour terminer, de faire un peu le tour des édifices notables de la commune. Donc, je pense notamment à la synagogue, à une ancienne boucherie juive et naturellement au cimetière. Donc, voilà pour le programme. Donc, un rapide retour sur l'histoire du judaïsme dans le Bas-Rhin. Donc, les premières traces qu'on a eues d'une communauté juive dans le Bas-Rhin, c'est à Strasbourg au Xe siècle. Donc, à cette époque-là, dans les années 1100, la communauté juive gravitait pas très loin de la cathédrale, en fait, la cathédrale de Strasbourg. Et le premier cimetière juif de la communauté de Strasbourg, par exemple, se situait à l'actuelle place de la République. Donc, vous voyez un petit peu dans quel coin de Strasbourg la communauté gravitait. Et déjà, à cette époque-là, elle avait tout ce qu'il lui fallait pour pouvoir mener sa vie juive dans des conditions normales, donc mikvé, synagogue, etc., etc. Donc, les Juifs à Strasbourg étaient bien intégrés. La situation commence néanmoins à se dégrader à partir du milieu du XIVe siècle, donc dans les années 1348-1349. Donc je pense notamment à l'épisode de la peste noire, où malheureusement la communauté juive a fait office de bouc émissaire, où on a accusé les juifs d'empoisonner les puits et de rendre les gens malades,
ce qui a abouti en 1349 au massacre de la Saint-Valentin, donc où un millier de Juifs ont péri sur les bûchers à Strasbourg. Et les rares survivants, en fait, ont été expulsés de la ville vers les campagnes. Donc, à partir de 1349 jusqu'à la Révolution française, il n'y a quasiment plus un seul juif qui est autorisé de séjourner à Strasbourg. Donc, quand je dis séjourner, ça veut dire qu'ils pouvaient venir en journée pratiquer leurs activités commerciales, mais par contre, le soir, au couvre-feu, il ne va plus y avoir un seul juif dans l'enceinte de la ville. Donc du coup, du XIVe au XVIIIe siècle, eh ben, les Juifs qui habitaient à Strasbourg eh ben, vont s'étaler dans tout le Bas-Rhin, en fait, et ça va être la création de toutes nos petites communautés rurales dont on a encore des traces actuellement. Donc c'est vraiment ce mouvement ville vers campagne. La situation va changer, en fait, à la Révolution française, où les Juifs vont acquérir la citoyenneté, vont devenir pleinement citoyens. Et à partir de ce moment-là, ils vont être autorisés à revenir habiter Strasbourg. Donc du coup, là, on va avoir vraiment une inversion du mouvement. Tous ces Juifs qui étaient dispersés dans les différentes communautés rurales vont petit à petit revenir vers Strasbourg. Et ce mouvement va également s'accentuer, ce mouvement de, comment dire, j'allais dire, de vidage des communautés rurales va s'accentuer également au XIXe siècle. Je pense en 1870-1871, la guerre franco-prussienne, où à l'issue de ce conflit, l'Alsace est devenue allemande, et de nombreux Juifs ont quitté l'Alsace car restés fidèles à la France, donc ils ont préféré partir en France ou vers l'Algérie. Donc on a vraiment au fil des siècles ces mouvements de va-et-vient de la ville vers les campagnes, des campagnes retour vers la ville ou partir vers la France. Donc début XXe siècle, en 1910, on compte 6000 Juifs à Strasbourg et ce mouvement de dépeuplement des campagnes se poursuit puisqu'en 1938, on compte près de 10 000 Juifs à Strasbourg. En 39-45, bon, malheureusement c'est un épisode qu'on ne connaît que trop bien. Repli de la communauté en France, puis expulsion en 1940-41. Ensuite, malheureusement, la Shoah, la déportation. Donc là, on compte 3400 victimes juives en Alsace, dont un millier rien qu'à Strasbourg. Et après la guerre, donc en 1953, ce sont donc environ 9000 juifs qui sont de retour à Strasbourg. Donc voilà pour l'historique du judaïsme dans le Bas-Rhin, dans les très très grandes lignes. Je vais passer à présent à la communauté qui nous intéresse, donc Mackenheim. Il faut toujours, comme dit, garder en tête ce mouvement de va-et-vient des communautés de la ville vers la campagne, vers les campagnes, vers la ville, parce que ça permet vraiment de bien comprendre l'historique de nos petites communautés. Donc, à Mackenheim, donc, la première mention de la communauté juive date du XVIe siècle, fin XVIe, en 1578. Donc, on a ces informations, en fait, grâce à la correspondance de l'évêque de l'époque. Parce qu'en fait, Mackenheim, au XVIe siècle, était divisé en deux parties. On avait le haut village et le bas village, et une partie du village, en fait, appartenait à l'évêché. Et c'est grâce à la correspondance de l'évêque donc qu'on peut glaner des informations sur la communauté juive. Donc du coup, oui, 1578, première mention de la communauté juive. Apparemment, selon cette source, les Juifs étaient installés depuis peu de temps à Mackenheim, mais la communauté était plutôt impopulaire, parce que dès 1580, une plainte contre un bûcher juif a été relevée, et l'expulsion de la communauté a été plus que probable, parce que l'évêque avait consigné cet épisode dans sa correspondance. Et dans les années qui ont suivi, il ne parlait plus d'aucun juif à Mackenheim, donc il est fort probable que la communauté ait été expulsée assez rapidement. Et cette communauté, en fait, va se reformer au début du XVIIe siècle, donc début de la guerre de 30 ans, en 1618, parce que là, on a la mention, en fait, d'un marchand de chevaux juifs à Mackenheim. En 1622, on a une autre mention de juifs à Mackenheim, mais ici également, cette communauté va rapidement être dispersée, parce qu'en 1622, le village va être pillé donc, lors de la guerre de 30 ans, et la communauté dispersée à nouveau.
Donc il faut attendre la fin de ce conflit en fait en 1648 pour que la communauté fasse son retour et s'implante durablement à Mackenheim. On voit que ça va être le cas en fait jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, donc jusqu'à la Révolution française. Le nombre de familles va augmenter progressivement au fur et à mesure des années. Donc cette communauté va donc, comment dire, augmenter, voilà, s'agrandir pour arriver au début du 19e siècle à environ 95 juifs à Mackenheim. Et elle va continuer à prendre de l'ampleur puisqu'une quarantaine d'années plus tard, en fait, la communauté va atteindre les 160 membres. Et c'est à peu près les chiffres les plus hauts de la communauté. Sachant qu'à Mackenheim, c'est donc une population à cette époque qui était essentiellement catholique. Sans vous dire d'ânerie, je crois qu'on tournait autour de on était à 600-700 catholiques à peu près, 160 juifs et on avait encore quelques rares protestants ou anabaptistes, mais pas beaucoup plus. Donc c'était vraiment les deux piliers, c'était catholique et juif à Mackenheim. Donc la communauté juive en fait va commencer, comme je vous le disais, elle va commencer à décliner à partir de 1870. Donc elle s'inscrit vraiment dans ce mouvement passé la guerre franco-prussienne où les gens vont quitter le village progressivement. Et ce déclin en fait va se poursuivre tout au long du XXe siècle. Idem durant la Seconde Guerre mondiale avec la dispersion de la communauté. À savoir que Mackenheim avait été évacué dans le sud-ouest, dans le Périgord. Donc les Juifs de la communauté avaient été évacués en même temps. Ils n'ont pas été expulsés comme d'autres, j'allais dire, comme d'autres villages d'Alsace par la suite, même si effectivement ils ne vont pas avoir le droit de revenir en Alsace durant la guerre. Et la communauté de Mackenheim aura également payé un lourd tribut durant la guerre, puisque ce sont deux, on reporte pardon, 12 victimes de la Shoah. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1954, les Juifs vont revenir progressivement à Mackenheim, mais ça va vraiment être une toute petite communauté. En 1953, on compte 4 Juifs à peine dans le village. Et dans les années 60-70, on va avoir une petite communauté de quelques familles qui va s'implanter, qui va revenir en fait, qui va rester pendant 20-30 ans. Mais les dernières familles ont quitté Mackenheim dans les années 80, 82-83. Donc voilà pour l'historique de la communauté dans les grandes lignes, tous les éléments qu'on a un petit peu pu glaner dans les différentes sources historiques. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de faire le tour des différents édifices en fait de la communauté. Donc là, vous avez une vue de l'actuelle synagogue qui a été rénovée en Maison des Jeunes et de la Culture. Donc on a une image tout à votre gauche, c'est une carte postale du début du XXe siècle. La photo à votre droite, c'est vraiment la synagogue là actuellement. C'est une photo pré-confinement, je précise, mais j'ose espérer qu'elle n'a pas beaucoup changé en 6 semaines. Et au milieu, donc, une photo, un détail du fronton de l'édifice. Donc on va faire un petit focus sur les synagogues de Mackenheim. Donc, j'ai au moins des traces pour deux synagogues pour cette communauté. La première, en fait, a été mentionnée dès le 18e siècle. Et j'ai pas eu beaucoup de détails dessus. C'est surtout au milieu du 19e siècle, en fait, où l'architecte de l'arrondissement, donc Antoine Ringhausen, a signalé la synagogue comme étant un bâtiment, alors que je vous dise pas d'ânerie, il me parlait d'un bâtiment en torchis délabré et qui était insuffisante pour les besoins de la communauté. Donc, à partir des années 1850, la communauté va entreprendre des projets pour construire une nouvelle synagogue. Alors pour vous replacer un petit peu dans le contexte un peu plus général dans le village, au milieu du 19e siècle, on va avoir une grande campagne en fait de construction d'édifices dans tout le village. Et c'est le même architecte, donc Antoine Ringhausen, l'architecte de l'arrondissement de Célestat,
qui va au fur et à mesure construire une nouvelle école des filles, une nouvelle église et une nouvelle synagogue pour Mackenheim. Donc ces trois projets qui sont assez liés en fait parce que les avant-projets, les constructions, tout va être assez imbriqué en fait au fur et à mesure. Donc le premier avant-projet de construction de la synagogue actuelle date de 1856. Et c'est un projet qui va, un avant-projet qui va durer, enfin, qui va durer dans le temps, qui va s'étendre pendant quasiment 10 ans, jusqu'en 1864, jusqu'à ce que le projet définitif soit adopté. Alors, pourquoi de tels délais? Il faut savoir qu'en parallèle, donc, on avait l'église de Mackenheim, l'église catholique, qui était également dans les mêmes, comment dire, qui était donc également en projet de construction. Et les avant-projets, autant pour la synagogue que pour l'église, ont été énormément retoqués par le préfet. Donc il y a eu énormément, énormément de délais jusqu'à ce que les projets définitifs soient adoptés. Par contre, après, une fois que le projet est adopté jusqu'à la construction, le laps de temps est beaucoup, beaucoup plus rapide. Donc comme vous le voyez, donc projet définitif adopté en 1864. Les travaux ont commencé en 1866. En fait, directement dans la foulée, dès que l'église catholique a été construite, ouf, on a repris les mêmes, on les a posés 200 mètres plus loin pour construire la synagogue. Ça a vraiment été dans cet ordre-là. Et donc 1866, début des travaux. 1867, la synagogue, les travaux sont achevés, la synagogue est ouverte au culte. À savoir que le montant des travaux était estimé à que je vous dise pas de bêtises, je crois on était à 25 000 francs, 25 000 francs, et la commune de Mackenheim et la communauté juive se sont partagés les frais. Comme la commune avait fait de même pour l'église catholique, c'était normal qu'elle en fasse autant pour la synagogue. Donc la synagogue de 1867 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale va servir au culte très régulièrement. Et durant la Seconde Guerre mondiale, elle a eu beaucoup de chance dans la mesure où lorsque les nazis sont arrivés, l'édifice n'a pas été détruit. On sait que les nazis l'ont saccagé. Et après, la synagogue n'a pas été détruite complètement parce que alors j'ai deux versions qui diffèrent. Je ne sais pas laquelle est la vraie, mais apparemment un membre de la commission de sauvegarde du village, donc c'est les quelques habitants qui sont restés à Mackenheim pendant que le reste de la population était évacuée. Donc il y a un de ces membres de cette commission de sauvegarde qui a suggéré aux nazis soit de faire la synagogue un gymnase pour les jeunesses hitlériennes, ou soit d'en faire une grange pour entreposer le foin. Bon, personnellement, je pense que ce serait plutôt la deuxième option qui aurait été retenue, parce que je ne vois pas pourquoi on aurait eu des jeunesses hitlériennes à Mackenheim. Ça reste un petit village, donc cette option-là, je suis pas convaincue, mais après, j'ai pas la preuve du contraire, donc je m'avance pas plus. Mais je pense sincèrement que la choule a dû servir de grange durant la guerre, et donc du coup, elle n'a pas été détruite. Donc retour à Mackenheim après la Seconde Guerre mondiale. La synagogue va encore un petit peu servir au culte pendant quelques années, mais très très rapidement, en fait, dès 1960, on n'aura plus assez d'hommes pour assurer l'office. Donc la synagogue ne va plus servir de lieu de culte. Et avec le départ des dernières familles dans les années 80, la commune va racheter la synagogue en 1981 et la transformer 2 ans plus tard en maison des jeunes et en bibliothèque. Donc je vais vous montrer quelques documents d'archives. Donc ça, ce sont les plans de construction de la synagogue qui sont donc datés des années 1800, là on a 1863. Donc ce sont des plans qui ont été établis par Antoine Ringhuysen, l'architecte de l'arrondissement. Alors les archives d'Antoine Ringhuysen sont conservées, il y a une partie qui est conservée aux archives départementales du Bas-Rhin, donc c'est à Strasbourg, et la plus grosse partie est conservée aux archives municipales de Sélestat.
Donc, il y a souvent des doublons au niveau des plans, que ce soit dans une archive ou dans l'autre bâtiment, mais le fond est quand même assez complet. Donc là, ouais, bon, j'allais dire pour ceux qui connaissent plus un petit peu le village de Mackenheim, la synagogue est le long de la rue principale. En fait, quand on arrive dans le village, on voit d'abord la synagogue. On continue sur la gauche, on a l'ancienne école des filles qui est devenue l'école maternelle. On a l'église catholique un tout petit peu plus loin à droite. Enfin voilà, elle est vraiment au cœur du village. Et si vous voyez sur le plan de la synagogue, vous voyez ce carré rose avec marqué synagogue projetée. Vous voyez juste au-dessus, alors je ne peux malheureusement pas pointer avec la souris, je ne sais pas si. Est-ce que vous voyez la souris quand je la bouge? Oui, ça marche. Super. Alors en fait, là, le bâtiment que j'encercle avec ma souris, c'était l'ancienne synagogue en fait. Elle était vraiment juste à côté. Et comme on voit, effectivement, c'était un bâtiment qui était vraiment très petit par rapport à la nouvelle synagogue qui fait, je ne vais pas dire le double en superficie, mais pas loin. Et donc, j'ai cru comprendre que nous avions des représentants de la famille H parmi nous cet après-midi. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs propriétés, que je ne vous dise pas d'ânerie. Alors, normalement, ici, cette propriété-là appartenait à la famille H et celle-ci à gauche, je ne suis pas sûre, je sais que là en bas c'était une famille Bloch. Et si, ici également, là on a une famille H qui séjournait, qui habitait juste à côté de la synagogue. Donc vraiment, vraiment ouais, le long de la rue principale dans le village. Est-ce que c'est bien là qu'il y avait la boucherie? La boucherie est un petit peu plus loin, je vais vous montrer ça après. En fait, il faudrait limite que je nous connecte à Google Maps pour vous faire une promenade virtuelle dans le village. Bon, si on a le temps après, pourquoi pas. Voilà. Je vais vous montrer encore quelques photos. Voilà, ça c'était la synagogue donc, dans les années 80. Donc voilà, à l'intérieur de la synagogue, donc on voit bien l'aronne à Kodesh, les tribunes pour les dames. Et en fait, actuellement, la synagogue, là, il y a un étage qui a été créé. On a ôté les tribunes, on a mis un étage. La partie inférieure, en fait, c'est devenu une petite salle polyvalente pour les activités du village. Et en haut, en fait, il y a une bibliothèque donc, qui a été créée. Et la rosace ici existe toujours, mais on a mis un petit vitrail à la place, en fait, avec le blason de Mackenheim. Donc voilà, donc ça c'est donc bien la synagogue avant travaux. Donc je rembobine, je vous remontre la synagogue actuellement. Donc voilà, qui est dans un état plutôt sympathique. Savoir qu'elle avait été repeinte dans l'intervalle. Elle avait d'abord été repeinte avec des scènes de chasse, avec des sangliers sur les murs, enfin quelque chose de pas spécialement pas génialissime, on va dire. Voilà, ça a bien été pris en compte lorsqu'elle a été restaurée. Et puis là, maintenant, elle est vraiment dans un état qui est pas mal, voilà, par rapport aux années 80. Alors, je vais continuer. Effectivement, Yoav, il nous a un petit peu dévoilé la surprise avec un autre bâtiment de Mackenheim, un autre vestige de la communauté juive. Donc, c'est une ancienne boucherie juive qui est située rue des Clefs. En fait, c'est juste à côté de la synagogue, en fait. Et cette petite boucherie, en fait, a été construite en 1900. Et elle a été active pendant une quinzaine d'années à peu près, parce que son activité a stoppé dès la Première Guerre mondiale. Oui, effectivement, ça a été fermé après la Première Guerre mondiale. La boucherie a fermé, mais le bâtiment existe toujours sous cette forme-là. On va un petit peu continuer. Notre promenade à Mackenheim, j'allais dire, avec le cimetière juif, qui en toute subjectivité est absolument magnifique. Voilà, je ne cherche même pas à être objective, moi je le trouve magnifique ce cimetière. Donc il est situé en fait à 2 km du village. Donc à savoir, bon là je ne vais pas pouvoir zoomer dessus, je vais essayer de me repérer. Alors là, c'est ma maison, j'habite ici. Je retourne dans le village, j'essaie de repérer l'église en fait. On vient de là. Tac. En fait, la synagogue doit être à peu près là. Le quartier juif, entre guillemets, les maisons étaient surtout par ici, en fait.
Et pour accéder au cimetière juif, en fait, on sort du village vers le stade de foot, donc qui est ici, et on continue vers la forêt. Voilà, on traverse la digue, on entre dans la forêt, on passe par ici. Il y a la maison forestière qui est là, quelque part, je pense que ça doit être ça. Et le cimetière est encore un peu plus en arrière dans la forêt, donc il est vraiment, vraiment bien protégé. Et on touche du bois parce que moi, en tant que veilleuse de mémoire, je peux pas aller voir ce qui devient en ce moment, mais je sais que la gendarmerie de Marcolsheim y passe un minimum deux fois par jour pour être sûr que ça roule. Donc, notre cimetière de Mackenheim. Donc, c'est l'un des plus anciens cimetières du Bas-Rhin. Donc, la première mention qu'on a de ce cimetière date de 1608. Mais il est fort probable que le cimetière était plus ancien qu'il existait déjà auparavant. Donc, il a été agrandi en fait à plusieurs reprises. Une première fois en 1629 déjà. À savoir que la plus ancienne tombe encore existante date de 1669. Ensuite, on a eu un deuxième agrandissement en 1685, un troisième un siècle plus tard en 1775. Et en 1819, on a essayé. Il y a eu une tentative d'un quatrième agrandissement qui n'a pas abouti. Donc, à savoir qu'en Alsace, bah, souvent, on abandonnait aux communautés juives bah, des terres incultes dans la forêt pour qu'ils puissent y mettre leur cimetière. Donc, ce qui est clairement le cas à Mackenheim. Et toutes les communautés juives d'Alsace n'avaient pas leur propre cimetière. Et ce qui fait que beaucoup, beaucoup de communautés, en fait, dépendaient du cimetière de Mackenheim, ce qui fait qu'il a été qu'il a été agrandi à plusieurs reprises. Parce que c'était quand même un cimetière intercommunal, interdépartemental et international, si on peut dire ça comme ça. Parce que il y avait plus. Les défunts de Muttersols, si je ne dis pas de bêtises, étaient également inhumés à Mackenheim. Au niveau du Haut-Rhin, la communauté la plus proche, c'est Grussenheim. Et les défunts de Grussenheim étaient également inhumés donc à Mackenheim jusqu'à la création de leur propre cimetière. Je crois que c'était dans les années 1820, sans être sûr. Et les défunts de la communauté juive de Breisach étaient également inhumés à Mackenheim. Donc c'était vraiment un cimetière dont dépendaient beaucoup de communautés. Donc le cimetière en fait est divisé alors on dit en trois secteurs, même si physiquement parlant on arrive surtout à délimiter deux secteurs. Donc en fait on a ce secteur alors que je ne vous dise pas de bêtises, est-ce que c'est la partie. Ça c'est la partie ouest, voilà, c'est la partie ouest du cimetière. Donc ça c'est la partie la plus ancienne qui est vraiment la plus éparpillée. Et ici on a la partie la plus récente. La partie ancienne couvre les tombes du XVIIe siècle jusqu'à 1850 à peu près. Et là, cette partie-là, c'est vraiment de 1850 à nos jours. Donc, à savoir que le cimetière dispose également bah, d'une maison de purification qu'on appelle la Taharahisl, qui est Justine, qui se trouve ici et bah, qui existe encore de nos jours. Donc, je poursuis un petit peu l'historique de notre cimetière. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, le cimetière semble avoir été relativement épargné. Apparemment, il y aurait eu des dégâts, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus. Savoir qu'on a effectivement constaté des dégâts à la Taharahisl et à la clôture du cimetière. Et en 2001, le cimetière, en fait, a été, la partie ancienne du cimetière a été inscrite à l'inventaire des monuments historiques. En 2003, une association a été créée, donc les Amis du Judengarten de Mackenheim. Alors, je crois que cette association proposait, je ne sais pas si ça se fait encore, mais tous les étés, il y avait des jeunes qui venaient au cimetière faire un peu d'entretien, qui aidaient à restaurer les tombes, enfin des jeunes qui s'impliquaient vraiment pour la valorisation de ce cimetière. D'ailleurs, j'en profite au passage pour signaler que le cimetière de Mackenheim, c'est une propriété pardon, communale et il n'appartient pas au consistoire israélite du Bas-Rhin.
Tout ça parce que début des années 1800, l'inscription du cimetière ne s'est pas faite. Il y a eu un souci entre guillemets administratif qui fait que le cimetière n'est pas propriété du consistoire mais de la commune, tout en sachant que le maire, que le conseil municipal travaille de concert avec le consistoire pour l'entretien du cimetière et sa valorisation. Donc je reviens un petit peu à notre historique. Donc la Tahara-Issel du cimetière a été restaurée en 2004 et en 2009 un monument commémoratif a été inauguré en souvenir des victimes de la déportation. Voilà, donc j'ai un petit peu fait le tour là sur nos différents édifices de la communauté. Je vais encore vous montrer, il est 14h32, ça va, on a un petit peu de marge. Je vais vous faire un petit tour dans Mackenheim par Google Maps, si ça vous va. Je vais pouvoir vous montrer ça un petit peu de manière un peu plus vivante. Alors, juste un instant que je vous connecte. Est-ce que vous voyez encore mon écran, mon partage d'écran? Oui, ok, très bien. Alors, Google Maps, voilà. On va essayer de voir. Pardon. Alors, Mackenheim, voilà, on y est. Je vais essayer de mettre mon petit bonhomme. J'aurais dû prévoir ça un petit peu plus tôt, comme ça on aurait gagné du temps. Tac, l'église est ici. Donc, la Sina, elle doit être. Elle va être là, voilà. Allez. Ah. Alors, où sommes-nous? Oui. Ah ben voilà, on est juste devant. Donc voilà, donc la synagogue. On voit encore le PowerPoint. Pardon? On voit encore le PowerPoint? D'accord, je vais fermer le PowerPoint. Tac. Est-ce que. Alors, voilà. Pardon, je vais remettre le partage d'écran. Voilà. Ok, est-ce que tout le monde voit le Google Maps? Bon. Ouais, ok. Donc voilà, donc là on est donc bien dans Mackenheim. Donc c'est ce que je vous disais, on est le long de la rue principale. Donc là on a la synagogue, là on a l'école maternelle dont je vous parlais avant et l'église. Donc trois bâtiments qui ont été construits par le même architecte dans un laps de temps assez rapproché. Donc l'ancienne synagogue en fait, l'ancienne synagogue de Mackenheim était située juste à côté en fait, là au niveau. Au niveau de cette grange, elle était ici. Et la synagogue actuelle donc a été reconstruite juste à côté. Voilà, donc c'est donc l'actuelle bibliothèque. Et en fait, une grande partie des familles juives de Mackenheim habitaient dans ce secteur. Il y avait deux propriétés ici. Là, au lieu de cette grange, il y avait deux propriétés ici. Il y avait une propriété un petit peu plus loin. Donc là, on va continuer dans le village. Je vais vous montrer la boucherie juive, où est-ce qu'elle se situe. En fait, elle est juste un petit peu plus loin. Voilà, tac. Alors en fait, il suffit d'aller par là. Vous voyez, elle est ici. Voilà, tac. Donc là, on avait une boucherie juive également. Donc c'est vraiment le bâtiment que je vous avais montré en photo et la petite maison qui en dépendait. Et tac. Et en fait, le long de la rue principale, il y avait encore une famille juive qui habitait un petit peu plus loin. Voilà, donc la mairie de Mackenheim, voilà. Une petite capsule de déconfiné, un peu de plein air pendant le confinement. Donc voilà, cette maison-là également qui appartenait à une famille de la communauté juive. Voilà, Sophie, c'était la famille Weil, c'était mes ancêtres. c'était vos ancêtres, oui, j'étais plus sûre, je voulais pas dire de bêtises, mais bon, donc du coup, si vous me confirmez, c'est très bien. Donc voilà, c'était la maison. Oncle, mes grands-parents qui étaient là. Voilà. Donc voilà quelques traces de la communauté juive de Mackenheim. Donc je vais arrêter le partage d'écran avec ça, on va retourner sur le PowerPoint. Alors, juste un instant que je le relance. Partager. Oups. Voilà, donc en fait, voilà, donc moi je.
Diapo, la diapo actuelle. Voilà, ça va être plus confortable. Donc voilà, donc si vous cherchez, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur l'histoire de la communauté de Makenheim, je vous ai fait un petit rappel des différentes sources que j'ai exploitées pour cette petite intervention. Voilà, donc on a les archives du consistoire israélite, naturellement, les archives départementales du Bas-Rhin, donc une partie des plans que je vous ai montrés, les archives municipales de Célestat, le fonds Antoine Ringhausen qui est très très fourni pour Makenheim. En matière de bibliographie, eh ben nous avons l'ouvrage de Jean d'Altroff, La route du judaïsme en Alsace, j'allais dire les grands classiques, hein, Freddy Raphaël, le judaïsme alsacien, Freddy Raphaël, Robert Weil, Juif en Alsace, Culture, Société, Histoire. Le livre du grand rabbin Max Warchowski et de Michel Roté, donc Les synagogues d'Alsace et leur histoire. Sur la communauté de Makenheim, plus spécifiquement, vous avez l'annuaire de la Société d'Histoire de la Harte et du Ride qui a quelques articles sur le sujet, dont deux de M. Günther Boll qui était un grand spécialiste de l'histoire de la communauté qui est décédé. Oui, vous voulez dire quelque chose? On prendra les questions après, du coup, oui, si à la fin. Ouais, ce sera plus simple. Un petit article de votre serviteur également qui reprend, en fait, sur lequel que je vous ai un petit peu résumé là durant cette intervention. Et en matière de site internet, nous avons la commune de Makenheim qui propose un petit historique des édifices de la communauté. On a naturellement le site du judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Et Web Cimetière Israélite, donc ça c'est le site internet sur lequel je vous ai montré le... Ben, en fait c'est le fond d'écran de Yoav, non c'est le plan en fait des concessions du cimetière. J'avais l'impression que Yoav avait la même image, mais je ne suis pas sûre que ce soit la même à 100%. Voilà, donc moi j'ai fait mon tour sur l'histoire de la communauté, sur ces édifices. Donc je vais arrêter le PowerPoint et du coup, si vous voulez passer à la discussion. Alors, Anne-Sophie, merci beaucoup. Et peut-être juste avant qu'on passe à la question, on va présenter quelques photos que oui, François a vrai, alors je vais faire le partage. Ouais, je te laisse prendre la main, je te mets en vedette comme ça tout le monde te voit. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que vous voyez l'écran? On voit ton bureau, là, pour le moment. Ah ouais? Mais là, on les voit, les photos, oui. D'accord. Voilà. Alors, je découvre les photos avec vous. Et peut-être, Françoise, tu veux dire quelques mots par rapport aux photos que tu as envoyées? Oui. Bon, on peut pas les agrandir. Tu ne peux pas ouvrir l'album, hein, carrément. Voilà, c'est ouvert. Voilà. Oui, je voulais d'abord, avant de commencer, souligner que parmi nous se trouve Christiane Valle-Schneller et sa fille qui s'occupe du Blogos House à Breisach et qui pourra peut-être nous dire quelques mots sur Günther Boll avec lequel elle a beaucoup travaillé. Et Günther Boll a été un acteur très très important pour la restauration du cimetière, justement avec ces fameux jeunes personnes, ces jeunes qui sont venus travailler, c'était des chantiers d'été qui ont eu lieu plusieurs années. J'en dis pas plus. Alors là, nous avions notre rencontre annuelle de notre association Les Routes du Judaïsme Rhénan à Makenheim, et puis ensuite nous étions passés de l'autre côté à Breisach. Et donc là, vous voyez l'intérieur de la synagogue. Nous avions été reçus par un adjoint au maire qui nous avait expliqué l'histoire. Alors là, vous nous voyez tous en photo sur le porche. Et là, nous arrivons au cimetière. Donc ça, c'est un panneau pour accueillir les personnes au cimetière et qui d'ailleurs est muni d'un QR code qui vous permet ensuite d'avoir plus d'informations sur ce lieu qui est tout à fait unique. Nous y étions le 2 juin l'année dernière, donc ça fait presque un an, au moins un mois. Voilà, je continue avec la photo. Avec les photos. Nous,
J'ai fait pas mal de photos. Alors, vous voyez Freddy, à côté de Freddy, c'est Gilles Utenmeister, qui est un professeur d'université qui est tout très, 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 très calé sur tout ce qui est art funéraire juif et qui a repris les inscriptions et les a traduites en français. Donc, il était venu spécialement pour nous donner des explications extrêmement savantes sur tout sur les tombes les plus significatives du cimetière. Tu peux passer plus loin. Je ne saurais pas trop vous commenter, mais bon, ce sont des pierres qui sont magnifiques. Voilà, nous avons aussi Madame Bouvet, qui est la responsable de l'inventaire pour toute la région Grand Est et qui travaille avec nous. Alors là, ce sont des orchidées sauvages. Le cimetière était resté en l'état un peu sauvage parce qu'il ne voulait pas couper l'herbe avant que ces fleurs ne soient fanées. On nous avait prévenu à l'avance, et effectivement. Voilà, donc. Vous avez une vue un peu plus précise, une idée de à quoi ressemble ce cimetière. Cette partie est la partie plus récente, il me semble, hein. Oui, vous êtes dans la récence, là, oui. Voilà. On peut passer plus loin. Et là, on est de nouveau dans la partie ancienne. Même très ancienne, on est presque au bout là. Alors, je pense que cette photo, on va garder pour la Voilà, prochaine. là on arrive à Brizard. Alors, on va peut-être pas les voir puisque on est en train de préparer avec Yoav une émission spéciale justement sur notre association Les Routes du Judaïsme Rhénan et avec notre amie Christiane sur ce qui se fait à Brizard. C'est la fameuse maison bleue, mais bon, j'en dis pas plus. Voilà, ce sera bientôt. Voilà. Merci, merci Françoise. Alors, maintenant, si vous avez des questions, Anne-Sophie, elle est là. Oui, je suis là. Voilà. On va peut-être demander à Christiane si elle veut nous dire quelques mots sur. Elle est avec sa fille Olivia qui parle français. Oui. Christiane comprend le français mais parle très bien anglais. Si elle veut nous dire quelques mots peut-être sur Günter Bolk, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Oui, Christiane. bonjour. Bonjour. Do you want me to speak English or German? In German. German? Allemand. Allemand? Alle Elsässer verstehen doch Deutsch. Alors, Martin, est-ce que tu veux traduire? Ich kann nicht verstehen, ganz gut. Die Geschichte. Histoire. Die Geschichte von Günter Boll mit Mackenheim, Günter Boll, Mackenheim. Vor 1981. A commencé avant 1981. Und in 1981 hat er à cette année. Den Moment erlebt, wo die Genisa gelehrt wurde von der Synagoge. C'est à ce moment qu'on a trouvé la Gnisa de cette synagogue. Und er kam rechtzeitig um il est venu à temps ungefähr 300 Teile der Gnisa zu retten. Pour sauver 300 pièces de cette Gnisa. Und er hat begonnen zu forschen. Il a commencé la recherche à ce sujet. Okay. Wir haben, Nous avons. Wir haben ein, kann man das sehen? Wir haben eine Veröffentlichung, ein Bücher über Günter Boll. Und da ist sehr viel geht es um die Geschichte von Mackenheim.
Cette publication s'occupe énormément de l'histoire de Mackenheim. Et on voit la nouvelle partie du cimetière de Mackenheim. Und wir haben ein paar, hier sind zu sehen vier der 130 Mapot. Mapot? Ah oui, je vois, il y a 130 Mapot. Vous connaissez, je ne sais pas comment l'expression est en français. Die er gerettet hat und restauriert hat. Die meisten sind heute in Strasbourg im Depot. La plupart se trouvent à Strasbourg. Und er hat geforscht, er ist in die Archive gegangen. Und hat nach den Dokumenten est allé aux archives pour continuer sa recherche. Der Mapot Besitzer. Pour ses Mapot. Ja. François, do you want me to continue on Monday on begin in Mackenheim and continue to Breiser? Well, about what about the work with the young people in the cemetery of Mackenheim? If you can say a few words, because Anne-Sophie didn't speak about it, and she just mentioned. Okay, I will. Günther and his wife. Günther and his wife. They went and pulled out tombstones. I think more than 100. And I could see in Anne's pictures, you could see some of them and some of the Breiser citizens, Josef Günzburger, for example. So for 100 years, 100 Jahre lang, the cemetery of Mackenheim was the cemetery for the Breiser Jewish community, 100 Jahre. Durant un siècle, en fait, le cimetière de Mackenheim a été le cimetière de la communauté juive de Breiser. So the due to flooding, the tombstones were underground, under the grass, and Günther and his wife pulled out, and I will show you some pictures if you like to on Monday, how they did it to pull up the stones, the tombstones that you see today, and he learned Hebrew and he copied the text from the tombstones, and interestingly, Sam Parnassim, very important people of the Jewish community of Breisach, later in 2002 and the following years, Günther brought with us young people from Eastern Europe and Germany together to Mackenheim, supported by the mayor. And they did work on the cemetery, took care of the lawn, of the weeds, and also to continue under supervision of Günther and Gil Hüttenmeister to identify tombstones and to write up. And so Gil actually could publish with our help a book on documentation of the full documentation of the cemetery. Est-ce que vous avez compris ou est-ce que vous avez besoin d'une traduction? Je pense que pour l'instant, on garde ça comme ça et on va développer tout ça la semaine prochaine. Et voilà, ça va être plus efficace. Et comme il nous reste 10 minutes, on va garder le temps pour des questions. D'accord. Mais merci beaucoup. Thank you very much, Christiane et Olivia. Oui. Est-ce que, oui, pardon, je m'excuse. Est-ce que, par exemple, on a une réponse par rapport à l'éloignement de ce cimetière par rapport au centre du village? Parce que je me demande comment ils faisaient dans le temps pour aller avec leurs défunts jusqu'au cimetière. Il fallait une demi-journée au moins. Non, le cimetière est à 2 km. Oui, enfin, on a une bonne heure de marche. Non. Oui, on a trois quarts d'heure de marche du centre du village jusqu'au cimetière. Et oui, la raison pour laquelle on a attribué ces terrains pour le cimetière, c'est malheureusement très trivial. C'est des terrains de base qui sont marécageux, qui ne sont pas cultivables. Et les catholiques de Mackenheim, dans leur grande sympathie, n'ont pas voulu céder du terrain cultivable pour un cimetière. Donc du coup, ça a été ces terrains marécageux isolés dans la forêt. Oui, c'est bien ce qui me semblait.
parce que sinon le site est fabuleux, enfin au bord de la rivière et tout, c'est merveilleux. Marc, j'aimerais dire deux, trois choses, la précision. Oui. À ce qui me semble, au début des années 50, il y avait encore plusieurs familles à McNair, il y avait plus que quatre personnes. Il y avait déjà la fratrie H, les frères et sœurs H, il y avait deux familles Veil, donc il y avait plus que quatre personnes. Après, pendant un certain temps, était fait à Markolsheim, c'est-à-dire qu'on se retrouvait Markenheim, Markolsheim, et puis quand on, l'une ou l'autre fois, on venait de Célesta pour qu'il y ait office à Markolsheim. Pour ce qui est des enterrements, à ma connaissance, les Juifs de Mutasol s'étaient enterrés à Célesta et non pas à Markenheim. Oui, je confirme parce que j'ai des ancêtres du 18e siècle de Muttersholtz qui sont au cimetière de Célesta et non pas au cimetière de Mackenheim. Et qui vivaient à Muttersholtz. Oui, c'est vrai que j'étais pas sûre sur le coup si j'ai dit Muttersholtz en même temps que je le disais. Je me suis dit, pas sûre. Grussenheim, autant pour Grussenheim, j'étais sûre que Muttersholtz, j'ai eu un doute. Du coup, merci beaucoup hein, pour ces précisions-là, déjà. Mais il faut savoir qu'à Grussenheim, il y a un cimetière. Oui, il a été construit, il a été édifié dans les années, début 19e siècle, dans les années 1820, je crois, à peu près. D'accord. Merci. Je peux ? Oui, à part l'entrée de la synagogue aujourd'hui, qui est devenue une salle polyvalente et une bibliothèque, on voit qu'on est dans une synagogue à l'intérieur. Non. Je me rappelle de la synagogue de Hochfelden, où il y a un coin qui est au fond une réplique de l'école juive qu'il y avait à l'époque. Il y a à l'intérieur quelque chose qui nous rappelle que c'est une synagogue ou c'est seulement la façade en dehors ? C'est uniquement la façade. Quelqu'un qui n'est pas au courant lorsqu'il entre dans le bâtiment ne se doutera pas que c'était une synagogue. Alors je sais que le maire de Mackenheim avait en projet de mettre à l'intérieur un panneau explicatif sur l'histoire de la communauté juive de Mackenheim. Après je sais pas si ce projet s'est poursuivi ou pas pour le moment, mais il y avait eu une amorce de projet à ce sujet-là. Merci. Oui. Marc. Oui. Je crois, d'après mes souvenirs, que la Chevra Kadisha de Mackenheim avait un rôle très important. Et comme l'a marqué quelqu'un, je ne sais plus qui, Paul Roger ou je ne sais pas qui, avant, le transport des défunts se faisait dans des barques à fond plat, parce qu'ils n'avaient pas le droit, je crois, de déplacer les défunts d'un endroit à l'autre, je ne sais pas trop quoi, et ça se faisait donc à l'abri à travers la forêt. Alors là, je pense qu'il y a peut-être Michel Rothé ou peut-être même Anne-Sophie ou quelqu'un d'autre qui est capable de corroborer ce que je dis et peut-être donner de plus amples explications. Alors moi, moi j'ai entendu effectivement également cette information que la rivière servait au transport des défunts de Braïsa. J'ai jamais rien trouvé qui était écrit noir sur blanc. Alors je ne sais pas si vous, Michel, vous avez peut-être plus d'informations à ce sujet. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que, comme dit, j'avais pas l'info noir sur blanc, donc j'étais pas sûre. Depuis Braïsa en bateau, oui, en barque, mais. De ce côté-là du Rhin, je n'ai pas de plus d'informations. Maybe Christian knows have the answer. Christian, do you know how they transport the person, the dead person from Braisa to the cemetery? No. I have heard again and again and again the same story that they were taking by boat, but I never saw any proof, any source really for it. So it's like oral history, I would say, so far. Maybe Anne has more information sometime. No.
Thank you. On a entendu parler de l'éventuelle présence d'une Gnisa dans la synagogue de Mackenheim. Est-ce que quelqu'un aurait des informations à ce sujet? Alors, malheureusement, la Gnisa de Mackenheim a profondément souffert, on va dire, du rachat de la synagogue par la commune. Parce qu'il faut savoir que quand la commune a pris possession de la synagogue, la Gnisa était encore dedans. Et en bon non-juif, malheureusement, ils ont brûlé une partie de cette Gnisa. Il y avait énormément de mapotes qui d'ailleurs ont été sauvés. Il y a une bonne partie des mapotes qui ont été sauvés par Günther Boll. C'était ce que la dame de l'association Blauerhaus expliquait. Parce qu'effectivement, le conseil municipal à l'époque a débarrassé le bâtiment, a fait un tas à l'ancienne décharge communale et y a mis le feu. Parce qu'il n'avait pas conscience, il n'y avait rien d'antisémite dedans, mais c'était vraiment juste l'ignorance qui a fait qu'ils ont brûlé la Gnisa. Et donc du coup, il en reste une partie qui avait été donc sauvée par Monsieur Günther Boll. Alors je ne pourrais pas dire où est-ce qu'elle est conservée actuellement. Il y avait quelques pièces qui avaient été exposées, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, au Palais Rohan, à Strasbourg, mais je ne pourrais pas dire. Alors je peux en parler? Voilà, on a parlé de ça hier, Jean-Pierre. Oui, alors on peut en parler. Bon, je m'excuse, je suis arrivé un peu tard, mais j'étais en train de faire autre chose. Oui. Je suis passé à côté. Donc, excuse-moi, Anne-Sophie. Et donc, cette Gnisa est actuellement, effectivement, avait été donnée à la Société d'Histoire des Israélites par Gunther. Elle est actuellement entre nos mains et elle rentre au musée alsacien avec les collections de la Société d'Histoire, donc déposée au musée alsacien, sans doute dans le mois qui vient. Donc, on est en train de finir, l'inventaire a été fait. Il faudra le refaire parce que Gunther avait été très généreux, avait un peu dilapidé les pièces à droite à gauche, qui est à la fois une bonne chose et une moins bonne chose, puisque pas mal de musées ont des pièces de lui et différentes expositions, mais d'un autre côté, bon, le corpus n'est pas entré. Et donc, ça va rentrer au musée alsacien, je pense, encore en juin. Ça y serait déjà sans confinement. Musée alsacien de Strasbourg. Au moins 300 pièces, hein, chez l'inventaire, ouais. Si ça t'intéresse. Si ça vous intéresse, pardon. Voilà. Merci. Problème réglé. Alors, encore, il nous reste encore 2 minutes et 2-3 questions. L'intervenant de Dier a signalé qu'il avait plein d'articles dans son bureau. Tout à fait, oui. Voilà, Jean-Camille. Il est récupéré. Oui. Son siège Jean-Camille, effectivement, actuellement. Oui. Dans son grenier. J'ai reçu une lettre je suis en train de répondre à une lettre de la mairie me demandant si l'inventaire est juste, alors je vais leur répondre qu'on n'en sait fichtrement rien et qu'on vérifiera à l'arrivée. Très bien, merci. Encore quelqu'un veut réagir, des questions, quelque chose? Alors sinon, Anne-Sophie, merci beaucoup. Ouais, de rien. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été aussi nombreux et aussi gentils, aussi attentifs. Alors, on continue notre émission Patrimoine la semaine prochaine. Et on se voit lundi à 14h. Et voilà, et j'espère que bientôt... Sur quel sujet? Sur quel sujet, lundi? Alors, lundi, on a Christophe... Verlet sur le Stoppelstein. D'accord. Ok. La semaine prochaine, on a beaucoup de choses très intéressantes et très différentes. Alors, je vous souhaite tout le monde de Shabbat Shalom. Je suis candidat pour quelque chose sur Roufak, si ça t'intéresse. On va discuter au privé, Jean-Pierre. Ok. Et voilà. Anne-Sophie, merci encore. Ouais. Merci à tout le monde. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à très bientôt. Au revoir.
Shabbat Shalom. Good Shabbat. Good Shabbat à tout le monde. À toi aussi, Marc, à tout le monde. Merci. Shabbat Shalom. Ah, c'est Gérard. La Jeannette, tu es encore là, Jeannette. Good Shabbat. Non, elle n'est plus là. Gérard, je te vois. Moi aussi, je te vois, Marc, avec ton beau ventilateur. Et Hubert. Bon, alors, à la semaine prochaine, good Shabbat, Shabbat Shalom. Shalom. On était combien aujourd'hui, Yoav? 35. Ok, merci. Tu comptes pour deux, Marc. Pardon? Tu comptes pour deux. Tu comptes pour deux, Marc, ouais. J'ai compris. Salut, Loïc. Il y a longtemps que tu m'as plus envoyé de bits. Je n'ai plus envoyé de quoi? Envoyé de? Il me parle à moi. De bits. De blagues. Comment ils disent à Colmar? Ils disent autrement. Non, pareil. On est au Vilkirch. Bonjour, monsieur du Gabon. Vilkirch, oui. Mmh. Un délice. Et même la Côte d'Azur, toi. Bon, à lundi, tout le monde. Bye. Bye bye. Au revoir. Dominique. À tout à l'heure, chez Bûche. Alors, monsieur Monk, qu'est-ce qui vous attire dans le judaïsme alsacien? Vous m'entendez? À qui tu t'adresses, Michel? À monsieur Monk. Vous m'entendez? Au Gabon? Son micro a l'air coupé, j'ai l'impression. Votre micro ne marche pas? Ah. Si. Il marche. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces discussions sur les communautés juives d'Alsace? Ah oui, c'est le patrimoine et puis là que je suis représentant d'une organisation chrétienne basée à Jérusalem. Et donc, j'ai sur moi le mandat de faire connaître la culture et justement l'histoire du peuple juif. L'objectif, entre autres, de lutter contre l'antisémitisme. Le sentiment qui est le mien et ce qui est moi, c'est que nous ne devons pas être complices parce que c'est une chose de ne pas connaître ce qui s'est passé, c'est une chose aussi de connaître, de ne rien dire. Donc nous ici avec mes amis, nous avons le sentiment qu'il y a un devoir d'en parler pour ne pas être complice, donc porter à la connaissance de nouvelles générations, mais aussi pour préparer le futur. Et donc avec les miens, nous sommes dessus. Et quand j'ai vu sur Facebook l'annonce sur la tenue de cette conférence, évidemment que tout de suite j'étais intéressé, je me suis dit, mais tiens, je crois que je vais apprendre davantage. Comme quelqu'un a dit, hein, on apprend tous les jours. Donc, je me suis connecté pour apprendre quelque chose de nouveau, venir enrichir en fait le message au niveau du Gabon. Et j'avoue que dans l'ensemble, merci. Et là, vous êtes au Gabon, même? Oui, je suis à Libreville. Je suis à Libreville, précisément dans la périphérie sud, au Vendo. Il y a une communauté juive à Libreville actuellement? Communauté juive, non. Parce que dire communauté juive, ça veut dire pour moi des juifs et relativement interconnectés.
et pour ne pas dire organisé. Non, communauté juive, dans ce sens, je n'en connais pas. Mais je sais qu'il y a des juifs, mais c'est surtout des coopérants, la coopération française, voilà. D'accord. Donc, oui, s'il existe, parce que je n'ai pas encore fait la recherche dans ce sens, s'il existe une communauté juive, je crois qu'on peut la trouver au niveau du camp de Gaulle. Le camp de Gaulle, comprenez par là, la compagnie militaire française. Là-bas, je crois qu'on pourrait, si on mène une enquête, on peut éventuellement trouver une communauté juive. Mais je n'ai jamais eu à l'esprit de mener cette enquête. Ok, merci bien. Alors, on se retrouve peut-être lundi, en début d'après-midi. Oui, oui, volontiers. Oui, oui, merci. Au revoir, monsieur. Au revoir tout le monde. Shabbat shalom. Au revoir, Michel. Au revoir tout le monde. Shabbat shalom. Good Shabbos pour les Alsaciens. Shabbat shalom.